jour, en marchant, vous levez les yeux vers le ciel et vous voyez un objet argenté à l'horizon, souvenir d'un lointain passé. Nous nous souviendrons toujours de notre héritage et l'heure est venue de connaître nos racines. Nos frères des autres mondes sont prêts à nous rejoindre dans ce qui serait une rentrée heureuse au sein de l'intégralité, la chance de notre vie. À nous de choisir, à nous de décider. Un objet brillant circulaire traverse le ciel et vous vous dites « Alors, ces histoires sont donc vraies ? Que devons-nous faire ?» Johannes von Butler, astrophysicien, écrivain. Je suis absolument convaincu qu'il y a une origine mutuelle à l'humanité, le genre humain, et à certains extraterrestres qui viennent sur notre Terre. J'ai différentes raisons de soutenir ce point de vue. Il y a certains extraterrestres qui sont identiques aux êtres humains par leur taille, leur apparence et leurs caractéristiques physiques, si nous prenons les rapports des témoins au sérieux, ce que je fais. Il y a un certain nombre de cas où ces visiteurs extraterrestres ont fait des remarques confirmant ce point de vue. Ils n'atterrissent pas officiellement à Washington, à Moscou ou à Londres, mais sont seulement aperçus discrètement, de telle sorte que les médias discutent constamment pour savoir si les ovnis existent ou non. Nous savons qu'ils existent, du moins un petit noyau, et quelles que soient leurs intentions, je suis sûr qu'il y a eu un développement ces dernières années, et que ce ne sera plus très long avant de connaître la vérité. Les vaisseaux spatiaux signalent-ils leur présence en laissant leurs empreintes dans les champs de blé? Si oui, comment? Des champs de blé en Angleterre citent d'un étonnant phénomène appelé pictogramme. En 1990, 1200 symboles complexes sont apparus dans le sud de l'Angleterre. Certains montraient une extraordinaire ressemblance avec des gravures de monuments primitifs. Certains disent qu'il s'agit de messages d'engins spatiaux, d'autres que c'est l'énergie de la Terre qui réagit avec l'énergie de l'espace. Tous s'accordent pour dire que ces figures ont un tracé intelligent et qu'elles sont peut-être reliées aux mégalithes avoisinantes. Les pyramides, l'une des sept merveilles du monde, sont des monuments dédiés à une civilisation oubliée. Mais comment ces exploits architecturaux ont-ils été réalisés? Et pourquoi trouve-t-on semblables structures sur Mars? On dit que les pyramides ont été construites par une autre civilisation afin de capter et de stocker l'énergie du cosmos. Elles agissent comme un capteur qui concentre l'énergie sur la planète et leur zénith est en alignement exact avec les Pléiades. Des gens ont eu des contacts avec des êtres venus des Pléiades qui leur ont dit qu'ils étaient là pour nous aider. Quand on leur a demandé « Pourquoi nous aidez-vous ?», ils ont répondu « Parce que nous avons la même origine que vous, nous sommes vos frères ». Nous aimerions vous parler de l'importance des lois cosmiques, de vivre avec, de ne pas les négliger. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire est de vous comprendre à travers elles. Dans notre monde, nous donnons cette compréhension à nos enfants afin qu'ils aient une vie plus riche. Nous venons de toutes les parties de l'univers et nous vous révélerons notre présence peu à peu jusqu'à ce que vous compreniez le langage universel. Anthony Dodd, directeur d'enquête à Quest International. Après ma première rencontre, j'étais déterminé, même si cela devait me prendre le reste de ma vie, à découvrir ce que j'avais vu ce jour-là. Et depuis, je n'ai jamais abandonné. Et chaque minute a valu la peine. Et l'argent dépensé aussi. Parce que tout cela m'a rendu beaucoup plus sage. Je sais maintenant des choses que je n'aurais jamais su si je n'avais pas vécu ça. Il y a là-haut une force beaucoup plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Et ils sont ici, parmi nous. Ils vont et viennent comme ils le désirent. Ils nous observent, nous guident et nous indiquent la bonne direction. Cela ne fait aucun doute. Le
Le cas d'Elisabeth Clarer est l'un des plus importants de tous les temps dans l'histoire des contacts avec les extraterrestres. Née en Afrique du Sud en 1910, c'est une femme d'une grande sagesse. Entre 1954 et 1963, elle a eu plusieurs entretiens avec des représentants d'une autre race. Un homme, qu'elle appelle Hakon, lui a dit qu'il venait du système solaire de Proxima du Centaure. Entre eux est née une profonde amitié. Il l'a emmenée pour un séjour de 4 mois sur Méton, sa planète natale, située à 4,3 années-lumière de la Terre. Méton est un monde avec deux soleils. Elle a appris ainsi un grand nombre de choses sur l'univers et que l'espace est un grand laboratoire. Elle a immédiatement compris la structure du cosmos et les lois sur la fréquence de la lumière. Et, comme on l'en avait prié, elle a ensuite transmis ses connaissances à la science pour laquelle elles furent d'une grande utilité. Elle fit une série de conférences et écrivit un livre dans lequel elle fait part de ses connaissances sur la structure de l'univers et donne au monde des informations scientifiques précieuses. Elle dit « La route des étoiles s'inscrit à l'intérieur d'un vaisseau spatial empreint de beauté et de simplicité, toujours vivant et vibrant et ressemblant à une galaxie entourée d'un halo et d'une onde de choc rayonnante. Tout dans la création est lumière, clé de l'univers. L'existence entière à travers les systèmes planétaires, les étoiles et la profondeur de l'espace interstellaire est constituée d'ondes de lumière visibles et invisibles. Pour toute l'énergie, visible ou invisible, la libération des micro-atomes de lumière de l'oxygène est la source de toute vie, la forme d'ondes électromagnétiques de la lumière. Cela forme les blocs de construction du cosmos dans lesquels nous avons notre être, comme les micro-atomes de lumière dans des unités plus grandes sont égaux aux atomes. La force spirituelle, la réalisation de l'âme et les pensées sont toutes constituées de vitesses différentes dans la longueur d'onde de la lumière. L'électricité est faite de micro-atomes de lumière, alors que le son et les couleurs se produisent quand les micro-atomes ont des vitesses différentes. Et quand les micro-atomes sont arrêtés, ils produisent de la chaleur. La lumière est une énergie intelligente qui peut être pensée en termes d'existence et de substance. Le schéma des micro-atomes de lumière change avec les pensées quand on a compris la formule pour la vibration harmonique de la lumière. La clé de toute vie de l'univers réside dans l'interaction harmonique de la lumière. Une formule mathématique pour tous les transports réside dans les fréquences vibratoires de l'harmonique de la lumière, avec des ondes d'antigravité et des zones de temps qui sont simplement le taux de fréquence entre chaque pulsation de la spirale de la lumière. En contrôlant ce taux de fréquence, le flux du temps peut être varié quand quelqu'un se déplace simplement dans l'environnement de quelqu'un d'autre. Le vaisseau se déplace instantanément d'une planète à une autre ou d'un système solaire à un autre. Et le temps, comme une grandeur géométrique, est contrôlé ou éliminé. Civilization has yet to comprehend the complexities and interaction between regeneration and space exploration. The universe is in a perpetual state of evolving alteration. It's an evolving power of great magnitude and destructive capability, which has to be approached with great caution and responsibility. Entering certain quadrants, known as space gates, can only be achieved when conditions are favorable and with a suitable space vehicle. As the universe evolves, many planets die as a result of natural forces or because of the stupidity of the race. Therefore, civilizations must explore to find new homes or their species will expire. You must comprehend that to achieve this, space vehicles of many sizes must be available. From the smallest drone used for surveillance to mighty craft as large as your planet, capable of transporting a whole civilization. Notre conquête de l'espace est l'étape naturelle qui a permis à la science de progresser dans des secteurs qu'elle ne pouvait jusque-là explorer sur Terre. C'est ainsi que naîtra une nouvelle technologie. Jesko von Puttkamer, spécialiste de l'espace, direction de la NASA. L'espace a conduit à une prise de conscience de la Terre.
Et j'ai toujours dit qu'il fallait aller dans l'espace et développer notre aptitude à aller dans l'espace afin d'effectuer ensuite un retour sur Terre, avec de plus grandes capacités et le savoir-faire pour résoudre nos problèmes, les problèmes cardinaux du siècle à venir. Et donc, quand je parle d'aller sur la Lune ou Mars, il ne faut pas le comprendre comme le vol de, vous savez, le vol de gens qui fuiraient un foyer qu'ils n'aimeraient plus. C'est vraiment, il faut vraiment que ce soit une prise de conscience de la Terre. Et donc, il faudrait savoir d'une manière implicite que d'aller explorer les planètes pendant que nous soignons la Terre servira un jour à la sauver. En explorant Vénus, Mars ou Jupiter, nous en apprendrons plus sur la Terre. Cette étude comparative nous en apprendra plus sur nous et sur notre monde. Il faut comprendre que ces études planétaires, ces gens qui atterriront sur Mars ou ailleurs, ne seront pas réalisés par des gens indépendants de nous, mais feront partie intégrante d'un programme global constant. La Terre restera pour nous le centre de tout et la raison première qui dicte nos actes. Voici le tracé de nos vaisseaux spatiaux partis à la recherche de connaissances et de vie extraterrestre. Nous engageons un dialogue pour lequel un langage commun doit encore être créé afin de pouvoir poser des questions que nous n'avions pas imaginées même dans nos rêves les plus fous. Docteur Marina Popovic, pilote d'essai, scientifique. Il y a de la vie ailleurs et donc une civilisation extraterrestre. À qui nous tendons la main dont nous aimerions attirer l'attention et avec laquelle nous aimerions établir un contact. Je suis sûre que nous pouvons le faire à une grande échelle. Après tout, il y a déjà de nombreuses personnes qui l'ont fait. Ce contact entre les gens est important dans l'univers. L'océan de l'énergie éternelle est le cycle de l'intégralité universelle et la combinaison en évolution d'attractions opposées se produisant ensemble et formant un tout unifié. Toute force a une force opposée qui est le reflet de son action et de sa cause. La pensée de l'amour et de la paix reflètera l'amour et la paix, de même que la pensée de la colère et de la souffrance reflètera ses énergies négatives. Les énergies projetées parcourront ce cycle et retourneront un jour à la source même de la vie. Thomas Burden, physicien. L'important, c'est que tout, une fois réduit à une particule de masse, est non linéaire et tout génère une conjugaison de phases et des ondes polarisées inverses. C'est la troisième loi de Newton, la génération de la force de réaction égale et opposée. Donc si vous croyez vraiment qu'il y a une force égale et opposée pour toute force qui est générée, alors son opposé est elle aussi générée. Et donc, où que vous regardiez, pour tout processus, il existera un processus égal et opposé. Et quand vous regardez l'univers, c'est en effet ce que vous trouvez. La beauté du travail de Whittaker, c'est que maintenant, en combinant ce que nous avons trouvé dans les miroirs de conjugués de phase, c'est une manière d'amplifier l'onde conjuguée en phase, de prendre l'énergie normale et d'en faire une matière noble qui restaure l'ordre au lieu d'aller vers un désordre croissant. Nous pouvons mettre du désordre dans cette chose magique et en ressortir un ordre parfait. Nous pouvons le convertir en son propre opposé. On appelle ça le miroir de conjugués de phase. En faisant ça et en amplifiant le déroulement opposé inverse, en amplifiant l'ordre, si vous voulez, on crée une physique tout à fait nouvelle. Par exemple, le concept de l'énergie est, pour chacun, l'hypothèse selon laquelle, en prenant l'énergie et en la transformant, vous obtenez le travail qui, en se dispersant, devient de la chaleur. Maintenant, nous avons un processus qui peut prendre cette énergie dispersée de façon passive et l'utiliser pour l'amener elle-même à se réordonner. Et ainsi, réutiliser la même énergie. Dans un sens, c'est maintenant tout à fait possible. Alors qu'auparavant, ça ne l'était pas du tout. Et donc, ce que nous avons, c'est un nouveau modèle de physique. Cette nouvelle physique permet de faire des choses jusque-là impossibles à réaliser. La percée scientifique réalisée par Rupert Sheldrake apporte une solution nouvelle et radicale au mystère de la vie. Sheldrake dit que la mémoire est inhérente à la nature.
Tous les systèmes naturels, des minéraux à l'homme, héritent d'une mémoire collective de leur genre. Il dit que le rapport de cause à effet est une mémoire naturelle qui dépend de la résonance des formes, un processus qui implique une action éloignée dans l'espace et le temps. Loin d'être emmagasinés comme des traces matérielles dans nos cerveaux, nos souvenirs résultent de notre accord intérieur avec et dans le passé. Professeur Rupert Sheldrake. Je suis biologiste et mon intérêt principal est de comprendre le développement des plantes et des animaux, comment ils grandissent dans l'œuf, comment se développent les embryons. C'est le sujet de mes recherches depuis de nombreuses années. Et cela m'a conduit à la question de la mémoire dans la vie. J'en suis venu à penser à un héritage biologique impliquant une sorte de mémoire semblable aux gènes dont héritent les organismes. Il y a une mémoire des premiers membres de la race, une mémoire collective. Ceci dépend du processus que j'appelle résonance des formes. Cela signifie que si les animaux apprennent une chose dans un endroit, par exemple, alors les animaux de la même espèce devraient pouvoir l'apprendre eux aussi, partout ailleurs, simplement parce que leurs ancêtres l'ont apprise. Voici donc le principe de la résonance des formes, de la mémoire de la nature. Dans sa forme la plus générale, appliquée au-delà des domaines biologiques, physiques ou chimiques, cela suggère que les soi-disant lois de la nature, les régularités de la nature, peuvent être plus des habitudes que des lois éternelles, invariables. À l'intérieur des champs énergétiques de chacun se trouvent les molécules qui enregistrent les ondes et les schémas de pensée. Celles-ci interagissent avec les champs énergétiques de l'univers où jamais rien ne se perd et sont emmagasinées dans un réservoir appelé mémoire collective. La combinaison des pensées qui émanent de toute personne sur cette planète résonne à travers l'espace sans égard pour la distance. De ce fait, les pensées d'une personne dans une partie du monde peuvent en affecter une autre dans une autre partie, aussi bien que dans la même pièce. C'est pourquoi certaines personnes instinctivement ressentent ce qu'une autre personne ressent vis-à-vis d'elle sans qu'elle n'ait eu le moindre contact. Burgard Haim, cosmologue. On peut aujourd'hui montrer qu'au-delà de ce monde physique, il est possible de trouver un domaine de structure qui ne puisse être décrit comme matériel, mais qui peut toujours changer et restructurer le monde matériel, en particulier les structures des êtres humains. Quand je regarde ces projections dans l'espace physique, je vois de grandes similarités avec le champ morphogénétique de Rupert Sheldrake. La chose la plus importante qui puisse nous être donnée, individuellement ou collectivement, est d'aider à cicatriser la blessure humaine, qui est que nous sommes séparés de tout ce qui est puissant, de tout ce qui est au-delà de notre connaissance individuelle. Afin de permettre à notre race d'évoluer, nous devons être capables d'effacer cette illusion de la séparation. Sheldrake nous a donné un vocabulaire qui parle de notre résonance innée, au-delà de la différenciation des espèces, en incorporant plutôt une conscience cosmique. C'est une chose dont je parle beaucoup dans mon travail. J'ai découvert que nous n'avons pas seulement un ADN physique qui offre le plan détaillé de notre véhicule de conscience physique, mais aussi un ADN émotionnel et un ADN spirituel qui voyage avec nous dans cette existence. La science lutte toujours contre l'invisible. Mais alors que nous commençons à reconnaître ce que j'appelle l'essence et ce que Sheldrake appelle la résonance, nous sommes sur le point de pouvoir mettre en place quelque chose qui peut être perçu et utilisé. Parce que si nous comprenons notre ADN émotionnel, nous pourrons commencer à le sculpter afin de sélectionner avec sagesse et délicatesse seulement les qualités qui faciliteront l'évolution de notre race.
en utilisant ces facultés de résonance, nous pourrons commencer à nous rendre compte que nous sommes en communion avec d'autres races et que nous les influençons. Car nous les influençons, que ce soit des civilisations qui se dirigent vers nous de l'espace ou alors de l'intérieur. Il y a même des civilisations à l'intérieur de la structure de la planète Terre elle-même. Il y a une multitude d'occasions de pratiquer la résonance. La résonance signifie vraiment devenir conscient de nos vibrations pour nous accorder, nous aligner sur une vibration que nous percevons suffisamment pour communiquer. Que cet échange soit un échange d'ADN, d'ADN ou de conscience, il est au-delà de ce que nous pouvons tirer de nos télescopes actuels, de nos appareils de physique qui recherchent la vie. La vie est après tout toujours au-delà, bien au-delà des particules que nous pouvons voir avec notre technologie. Le docteur Sheldrack a fait faire un pas de géant à la science. En résumé, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un modèle derrière la structure, la configuration des formes que nous voyons sur le plan physique, et que ce modèle est dynamique plutôt que statique, et qu'il récolte les données sur la façon dont les choses sont transformées au niveau physique. Ainsi, par exemple, si dans un laboratoire de New York, on fait germer un cristal, et qu'ensuite dans un laboratoire de Paris, on fait germer le même genre de cristal, le fait qu'un cristal ait germé à New York va accélérer le processus de germination à Paris, bien qu'il n'y ait aucune communication entre les scientifiques des deux bords. C'est vraiment une confirmation de la théorie générale de ce que l'on appelle en physique les théories sans lien ni cause. C'est-à-dire que le monde est un ensemble continu. Ce qui arrive dans une partie du monde affecte une autre partie sans que l'information soit transmise de l'une à l'autre. Notre interdépendance avec l'univers est notre influence sur la croissance, ainsi que notre plus grand pouvoir inné pour découvrir tout ce qui existe. Thomas Burden. Le potentiel réel de l'être humain est d'abord de comprendre la réalité, c'est pour ça que nous sommes là. Ensuite, c'est de comprendre qu'il n'est pas seulement, comme on l'a dit, un ordinateur électrique dans un corps de chair, une machine de chair, de muscles, que nous sommes différents de cela, que nous sommes littéralement divins, nous avons des esprits, des âmes, et il y a une conscience et une vie spirituelle dans l'univers, nous en faisons partie. En fait, nous sommes faits à l'image de Dieu. Je ne dis pas cela d'une manière dogmatique, d'une manière à établir ou à vouloir que quelqu'un établisse une nouvelle religion, un nouveau culte ou quelque chose comme ça. Ce que nous voulons, c'est une nouvelle physique, une science qui traite avec la partie humaine, spirituelle, la partie personnalité, la partie émotionnelle et physique. Et l'approche que j'ai soutenue dans mon travail a révélé que nous pouvions le faire et le démontrer. En d'autres termes, c'est l'autre obligation. Non seulement vous devez avoir une théorie, une approche, une suggestion, un concept, mais la chose doit être démontrable, doit prévoir des résultats qui ne soient pas prévisibles autrement. Il faut pouvoir la prouver en laboratoire, et si on ne le peut pas, elle ne sert à rien. L'univers renferme les ressources nécessaires pour que nous puissions structurer le monde selon nos besoins. Quand l'homme commence à puiser dans le secret de cette expression miraculeuse d'une variété infinie,
il devient le créateur. Thomas Burden. En mécanique quantique, qui est notre meilleure physique, nous avons un traitement théorique, un modèle, si vous voulez, où nous modélisons la réalité physique en petits sauts d'énergie appelés quanta. Des petits changements qui sont comme des petites briques et qui sautent de brique par brique. Et les gros changements ne sont que de nombreux petits changements de briques très rapides. Ce que nous avons en mécanique quantique, c'est le fait que nous ayons un certain genre de modèle appelé l'équation de Schrödinger, où toutes les choses qu'un système peut être, comment il peut être construit ou quelle sorte de forme il peut contenir, se déplace et soudain le système s'effondre et une de ces choses se produit. On appelle ça l'effondrement de la fonction d'onde et cette chose qui était une probabilité devient soudain un état observable. Si vous pouvez pénétrer dans une structure cachée et la manipuler à l'intérieur du potentiel de Schrödinger qui avance, vous pouvez décider d'en modifier une qui est disponible pour aboutir à une réalité physique. En clair, voici ce que nous avons dit. Avec l'approche de Whittaker, l'approche électromagnétique scalaire, vous pouvez pénétrer la réalité physique avant même qu'elle ne soit née, avant qu'elle ne devienne une réalité physique pendant qu'elle est encore à l'état de probabilité. Et vous pouvez calculer les probabilités directement et déterminer si oui ou non elle naîtra, et quelle forme elle aura une fois née. En d'autres termes, pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons calculer absolument la réalité physique elle-même. Cela est si effrayant que le physicien quantique est en général complètement abattu et ne peut supporter de regarder en face ce que cela signifie. Être capable de calculer de façon déterministe la réalité physique elle-même. Cela détruit le matérialisme pour toujours. Ce monde n'est pas construit comme une brique. C'est un système ouvert, c'est comme un tourbillon dans une rivière. Il est stable, mais si vous changez la rivière, vous changez le tourbillon. Et pour la première fois, nous pouvons calculer l'état virtuel de la rivière, qui génère tout. Et c'est le sens du travail de Sheldrake, du travail de David Bahm, des deux articles de Whittaker, et mon insistance à ce que tout cela soit réuni, mis en laboratoire et expérimenté, et je vous le dis, ça marche en laboratoire. Thomas Burden dit, dans la science d'aujourd'hui, on trouve un nouveau concept de la réalité. L'individu revendique sérieusement de pouvoir étendre son cadre de compréhension. Le concept de perception est une abstraction qui permet de modeler la perception elle-même, que ce soit la perception mentale ou la détection physique. Chris Griscom. Envisager que nous-mêmes puissions être multidimensionnels, élargi et fait exploser complètement notre reconnaissance limitée des lois qui gouvernent le temps et l'espace. Parce que les dimensions ne sont pas séparées les unes des autres. Elles ne survivent pas seulement sur un continuum qui s'étend, mais elles sont luminescentes. Fréquences vibrantes de la réalité qui s'interpénètrent les unes les autres. Il y a un rayage de l'univers, si vous préférez, dans lequel il y a des points clés qui s'imbriquent dans ce rayage, qui nous permettent de déchirer le voile, de passer au travers des fenêtres des dimensions, pour apporter et ramener à nous par un va-et-vient des informations pertinentes pour notre évolution. Nous avons vécu auparavant, nous avons accès à de nombreux corps, des corps humains, et d'autres formes de corps qui peuvent nous aider dans ce bien puissant de la conscience, afin que nous puissions utiliser l'univers puisqu'il existe pour nous. Être multidimensionnel signifie simplement que vous êtes un hologramme.
vous êtes un être d'holographie et que votre concentration sur une dimension n'est qu'un point de référence sur ce cercle d'holographie, qui n'est pas seulement sur un plan, mais sur plusieurs plans simultanément. Comme nous nous identifions nous-mêmes comme des humains sur un point de cet hologramme à ce moment précis, si quelque chose devait déclencher votre état multidimensionnel, vous reconnaîtriez que ce point de référence sur votre hologramme est disponible pour vous ouvrir à tous les autres points de référence qui interagissent avec ce point, pour que vous puissiez voir que vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez être, que vous pouvez savoir tout ce que l'humanité a su et tout ce qu'elle saura. À l'Institut de la Lumière, nous parcourons les fibres de l'ADN qui créent notre véhicule physique, de sorte que nous reconnaissions comment il se fait que génération après génération, nous puissions de fait surmonter les réalités qui se présentent à nous simultanément. Nous venons des étoiles. Nous pouvons venir des étoiles et de la Terre en même temps. Et ainsi enrichir l'expérience que nous vivons dans ces corps en connaissant et en faisant l'expérience de l'état multidimensionnel. Jill Peirce est un auteur et une conférencière célèbre spécialisée dans la science du son qui est maintenant largement connue à travers les mondes asiatiques et extraterrestres comme étant la clé de la sixième dimension, qui est entre autres responsable de ce que nous appelons la créativité et l'inspiration. Jill Peirce, scientifique et écrivain. Je crois que lorsque nous sommes inspirés, par exemple, quand nous sommes inspirés et dans une humeur créative, en tant qu'artiste, compositeur, écrivain, nous nous accordons à la nature de l'univers à travers une sorte de résonance qui signifie que nous pouvons traduire la structure de l'univers en quelque autre modalité. Je n'utilise pas le mot symbole parce que je crois que c'est plus qu'un symbole. C'est une sorte de reconnaissance de ce que c'est. C'est presque une traduction plutôt qu'un symbole. C'est la traduction d'une chose, d'une forme, en une autre forme, par l'action de l'accord de cet individu qui a été créatif dans la nature de la réalité. Et ensuite, en le traduisant d'une autre manière, qui dans un sens le rend humain, il devient accessible à tous les autres humains qui reconnaîtront son caractère humain et en même temps sa nature divine. Donc il y a une transformation complète du monde matériel en un monde spirituel. C'est, je crois, une chose que les humains peuvent faire. Donc nous avons un côté qui atteint les cieux, qui atteint l'univers de la multidimension, et en même temps nous avons les pieds bien sur terre. Donc nous pouvons rapporter ces traductions parce que nous sommes tout à la fois physiques et incorporels. Et par mon travail, je trouve que tout ce processus de traduction se fait de façon plus effective par le son, parce que le son, dans un sens comme l'humanité, est une chose d'un côté très matériel, en ce sens que si vous analysez la musique et le son, ça en revient à un calcul. Vous savez, si vous faites comme ça, vous interrompez la continuité de l'action. Si vous allez plus vite, vous avez un rythme. Si vous allez encore plus vite, vous avez une note et encore plus vite, une harmonique. Donc toute la musique peut être traitée comme un calcul. C'est purement un calcul, qui est aussi matériel que peut l'être la matière. En même temps, si vous écoutez une symphonie de Beethoven ou de Mozart et que vous êtes ému jusqu'aux larmes, il n'y a aucun moyen de décrire cela. Parce que l'émotion créée par la musique n'est pas quelque chose de matériel ou de descriptible et ne peut être rendu par le langage ou le calcul. C'est une expérience fantastique. Alors, le sentiment que nous avons, c'est que nous faisons partie de quelque chose de grand et de merveilleux.
parce que nous reconnaissons à travers l'identité de ces sons qui sont à nous et à l'univers. Nous reconnaissons ce que nous sommes. Nous ne nous reconnaissons pas comme quelque chose de petit et de réduit, mais quelque chose de grand et de merveilleux. Dans cette mesure, il y a certaines sortes de musiques auxquelles nous répondons tous. Ce sont ces musiques qui nous touchent au plus profond et fournissent cette sorte de reconnaissance et ce sens de joie profonde que nous faisons partie d'un univers grand, merveilleux et radieux. La musique est la vibration harmonique de toute substance et la source des émotions humaines. Les sphères sont les âmes de la substance de la matière à partir desquelles la vie commence. L'homme est uni à l'univers par la force vitale de toute matière au travers des sphères. Jill Peirce. Tout d'abord les sphères. Dans la compréhension traditionnelle des sphères à travers la tradition chrétienne et dans la Renaissance, donc les sphères sont censées être les sphères de l'être qui ont séparé l'humanité terrestre de Dieu. Et donc quand une âme naît, un petit morceau de l'étincelle divine se sépare de Dieu et traverse toutes ces sphères à travers tous les domaines de l'esprit et des puissances, les domaines des anges et des archanges, les étoiles fixes et les sphères planétaires. Elle traverse tous ces éléments jusqu'à la Terre elle-même. Alors, l'âme traverse tout ceci, et le faisant, elle ramasse les qualités astrologiques, les configurations particulières de sa propre nature selon le moment de sa naissance. En même temps, si ce que Platon nous dit est vrai, elle ramasse aussi sa propre musicalité, les qualités musicales des sphères selon le moment de sa naissance. Et c'est ainsi que naît un être musical. Donc, c'est vraiment la compréhension qui nous vient à travers celle du son, c'est-à-dire que l'univers n'est pas seulement vivant, mais aussi compréhensible. Lors de ses nombreux voyages dans l'espace, Elisabeth Clarer a appris que la race d'Acon vivait en harmonie de corps et d'esprit qui est la base d'une existence saine et la responsable de l'élimination de la maladie. Ils savent que la plupart des maladies sont causées par un stress émotionnel ou psychologique. Acon lui a dit que tous les habitants du cosmos portaient sur notre monde un regard vigilant. Ils voient que le monde naturel est en train de mourir à cause du déséquilibre que nous avons créé dans la nature en réduisant les ressources sur lesquelles nous vivons. Et ils veulent nous aider. Quand on leur demande pourquoi ils ne viennent pas plus souvent, ils répondent « Pour venir ici, nous devons procéder à plusieurs sortes d'ajustements sur nos corps, parce que nous ne connaissons plus les microbes. » Cet engin spatial a été vu sortant de la mer près des îles Canaries. À plusieurs reprises, des ovnis ont été vus sortant de l'eau un peu partout dans le monde. On sait qu'ils utilisent leur technologie avancée pour aider le monde à décontaminer des régions fortement polluées. Many contactees are told that help for the Earth by our alien friends is allowed, but only to a certain extent, because they cannot interfere, since we all have a free will. This is a cosmic law. Life in our own planet is different to what you experience on Earth. We have long overcome the negative aspects of aggression, jealousy, and power. Although we are very advanced by your standards, we lead a simple life of love, mutual respect, and harmony, each integrating with each other in a like manner, conforming to the cosmic law of mutual harmony. Our family unit is the integration of like souls, which is a form of higher love beyond your comprehension. Children are born of these family units to evolve into even higher levels of understanding. Partners are not tied to each other as with your earthly rules. The merging of auras of the twin souls is a bond of such love and understanding that rules are not necessary.
We do not have rules as you understand them. Law is a code of conduct. We do not require a code of conduct as you perceive it. Age is of no consequence to us. We merely exist in this form for a term of many times your lifespan, and are then reborn to a higher level. Our harmony with our environmental surrounding is absolute. Elizabeth Clara was brought to our planet by Archon as a step towards bringing understanding to your race regarding the life and ways of cosmic neighbors. The mutual love which existed between them was a natural harmony of souls. Archon could not have lived permanently on your Earth because of your contamination. Our recreation is very different from that on Earth. We do not have sports of violent physical contact and do not participate in anything which creates rivalry. One great enjoyment is to use our brain power, either singly or jointly, against what you would call computers. Our music is a combination of vibrations, colors, aromas, and visual effects. But unlike yours, it is of a meditational nature. Anthony Dodd. Je savais que je devais trouver des réponses. Et ça a été très difficile. Il n'était pas facile d'expliquer un tel phénomène. Mais il me semblait que les choses tournaient en ma faveur. J'ai commencé à recevoir des rapports de gens qui ont su que je m'intéressais à ce sujet. Je recevais de plus en plus de témoignages, par centaines quelquefois. Et ensuite, le cercle s'est élargi pour quitter la région et s'étendre à toute l'Angleterre, puis lentement mais sûrement au monde entier. Les informations m'arrivaient de partout et beaucoup de gens m'ont aidé. Et tandis que ces informations s'amoncelaient, le fait qu'il y avait des objets solides et d'autres types d'objets volants, une autre intelligence, ce fait devenait très réel. Il y a une richesse d'informations en documents et en témoignages sur l'existence réelle de ces entités, de ces extraterrestres, peu importe le nom. Le problème est que, dans notre société, il y a eu une campagne de ridicule, très bien orchestrée, imposée au monde, de sorte que les gens qui ont vu des ovnis ont craint de le signaler par peur du ridicule. Les gens occupant des postes importants en ont vu aussi et m'en ont parlé, mais toujours à voix basse et sans témoin. Quand vous leur demandez pourquoi, ils disent « si je rendais public ce que j'ai vu, je perdrais ma place ». Ce syndrome sévit dans la société depuis de nombreuses années. Il y a de plus en plus de gens qui se font connaître. Nous commençons à abattre ce mur de ridicule. Et les témoignages viennent de toutes sortes de gens. J'en ai eu de médecins, de pilotes, de militaires. Oui, j'en ai de gens comme ça. Cela fait l'effet d'une boule de neige. Ça croît en puissance et en taille. Et ce ne sera plus long avant que toute la population réalise que tout cela existe, que nous ne sommes pas les seuls. Quand ce nouvel état d'esprit verra le jour, je crois que nous atteindrons tous un niveau de spiritualité supérieur. L'homme commence à respecter l'univers et les lois du cosmos. De ce fait, il va apprendre un grand nombre de choses avec une plus grande facilité. Chris Griscom. La première loi du cosmos que nous découvrons vraiment à travers la présence de notre véhicule physique est la loi de la permission. La loi de la permission nous parle de l'espace. Par exemple, à quel point laissons-nous quelqu'un que nous aimons ou que nous n'aimons pas approcher de nous? Quelle part
de notre propre pouvoir, avons-nous le droit d'utiliser quand ce pouvoir interfère avec les besoins et les manifestations d'autrui? Ce sujet de conversation est délicat sur notre planète et nous essayons d'amener l'humanité entière à retenir cette leçon. Où mes droits commencent-ils et où finissent-ils dans mes relations avec autrui? Puis-je prendre ce qui t'appartient? Bien sûr, cette loi cosmique de la permission apparaît dans tous les livres sacrés quand nous parlons du droit à vivre ensemble ou à bouleverser notre vie. Nous devons répondre à ces questions. Bien sûr, j'ai un point de vue tout à fait radical là-dessus, qui est qu'en fin de compte, il n'y a pas de victimes. Donc, si vous prenez de l'espace, à un certain niveau de conscience, il vous est toujours donné. Il vous est donné, non pas parce que vous avez plus de valeur qu'un autre, mais peut-être pour que vous appreniez la loi de cause à effet, ce que nous appelons le karma, que vos actions entraînent des réactions. L'espace que vous prenez, s'il empiète sur celui de quelqu'un d'autre, crée une énergie qui produira un effet. Et cet effet sera une leçon. Ce sont des choses que nous devons appliquer dans notre conscience quotidienne pour que nous prenions conscience que ce que nous faisons, ce que nous pensons et même ce que nous ressentons influence ceux qui nous entourent. Et nous devons commencer à demander la permission à ceux qui nous entourent. Il y a un grand besoin d'assainissement sur notre planète. Et jusqu'ici, nos meilleures intentions n'ont pu contribuer à régler un conflit entre deux nations ou entre deux enfants, ce qui n'est guère différent. Rupert Sheldrake. Je crois que c'est un grand secours de reconnaître qu'il y a une interconnexion entre les gens, interconnexion entre la vie humaine et la planète, que ce que nous faisons individuellement affecte les autres, pas seulement à travers nos paroles et nos actes, mais aussi à travers nos pensées qui peuvent influencer les autres par une sorte de résonance. Jill Peirce. Quand nous avons commencé à savoir comment pénétrer notre petit moi pour devenir un grand moi qui ne fait qu'un avec l'univers, il n'y aura plus de petit moi et d'univers, mais un grand sens d'unité. Ensuite, nous pourrons vraiment commencer à réaliser que quoi que nous fassions, cela affecte les autres parties de l'univers. Et donc, ce n'est qu'en réalisant cette connexion entre toutes choses, en réalisant que si nous faisons quelque chose, cela se répercute aussi partout et sur tous. Alors, ce que nous faisons compte vraiment, ce n'est qu'alors que nous pourrons prendre la responsabilité de nous-mêmes, des autres et de l'univers, comme d'un tout. Thomas Burden. L'orientation actuelle en Occident est qu'il faut lutter contre la nature. Il faut la dominer et la maîtriser par la force. Nous détruisons ainsi de nombreux processus naturels. Une meilleure approche serait d'adapter ces processus naturels et de les utiliser pour atteindre les buts que nous nous sommes fixés pour le bien de l'humanité. Nous tirerions plus de la nature en la prenant gentiment par la main plutôt qu'en essayant de la détruire. Un jour, si nous persistons à essayer de la détruire, nous réaliserons que nous sommes nous-mêmes naturels et que nous nous détruisons. Rupert Sheldrake.
The integration of your society with the forces of your natural environment is a necessary step to achieve perfect harmony. Within the natural forces surrounding your existence are the means to achieve any possible requirements if channeled in the right direction. The traumas of famine, disease, and death as you understand them are not necessary. Abundant food and medical materials are within your reach if you focus your efforts on positive growth and not negative aggression. The awareness of your own potential and total harmony with the forces of creation would lift your technology and status into an ever-increasing spiral of realization. In practical terms, you would transform deserts into huge food-producing areas. Every element of your world could be made to serve you until peace and perfect happiness prevail. Ce qui se passe quand l'homme découvre qu'il fait partie de la loi universelle, c'est que presque sans rien faire, sa vie quotidienne commence à évoluer, à changer. Parce que, s'il se fait un devoir de suivre ses lois cosmiques, c'est toute sa façon de vivre qui va par nécessité se modifier. Nous ne pouvons pas avoir conscience des lois de cause à effet, du karma, et continuer aveuglément à nous jeter simplement dans nos vies, sans tenir compte des effets. Dès que nous réaliserons que nous avons un effet sur l'environnement, quelque chose changera en nous, notre cœur changera, notre compassion changera. Tout être humain cherche la confirmation qu'il a des buts, qu'il peut faire une différence dans le monde, même si c'est une différence dans la famille ou le travail. Plus nous prendrons conscience de quelle manière nos actions dans le monde ou nos sentiments dans le monde affectent ce qui nous entoure, plus nous serons désireux de progresser et de participer à la loi de l'engagement. Engagement est un terme très puissant, un terme qui est accueilli avec beaucoup de dédain par la plupart d'entre nous, parce que nous considérons l'engagement comme une contrainte, une barrière. Cela veut dire faire ou être comme ça et pas autrement. Mais quand nous comprendrons que l'engagement est le plaisir du but personnel de nos propres ressources qui se trouvent exprimées publiquement, ces énergies prendront alors un nouveau sens à nos yeux. Nous apprendrons à nous engager, à dire « je veux participer, je veux être visible ». Je réalise que ce que je ressens, ce que je pense, se répercute sur le monde. Voilà pourquoi il est si important aujourd'hui de nous concentrer sur nous, de méditer, de descendre au centre de nous-mêmes et de faire le bilan de ce que nous savons. Parce que, par exemple, en découvrant le point de paix dans notre corps, nous commencerons à irradier un écho qui sera reçu, une énergie qui va influencer à chaque instant l'énergie de ceux qui nous entourent et de ceux qui les entourent eux-mêmes. Et cela se répercutera sur toute la planète. Donc, en utilisant notre conscience pour réaliser ce que nous créons dans le monde, si nous pataugeons dans notre vie individuelle, malheureux, en sentant qu'elle ne suffit pas, qu'elle n'a aucun sens,
et que nous sommes nuls, nous créons alors autour de nous une énergie qui se répercute sur nous tout autant que sur le monde. Il est donc très important d'admettre que nous ne sommes pas accidentellement sur cette planète, que nous sommes là dans un but précis et que tout ce que nous pensons et ressentons influence notre entourage afin d'accueillir chaque jour comme un défi, une aventure, tout en sachant en nous-mêmes que nous sommes de taille, que nous sommes assez forts pour affronter tout ce qui se présente. Finalement, en commençant à chercher et à comprendre les lois cosmiques, nous comprendrons que c'est nous qui avons créé l'univers comme tremplin de notre évolution. Cette compréhension fera naître des échos et des désirs inconnus jusque-là et dont nous prendrons conscience et nous aidera à nous créer une nouvelle qualité de vie. Notre propre prise de conscience et celle de la place que nous occupons dans la loi universelle d'échange est le canevas de l'espérance cosmique, l'expression généreuse de l'amour et de la création. Le cosmos est rempli de toute l'énergie dont nous avons besoin. C'est comme marcher sur une plage en n'ayant qu'à se baisser pour ramasser des diamants. Notre conscience actuelle ne nous permet pas de nous exclure plus longtemps de nouvelles dimensions. Thomas Burden. Nous traitons avec un domaine que nous avons soudain changé. La réalité est devenue bien différente de celle dont nous avions l'habitude. Nous passons de l'ordinaire au véritable univers, un univers plus mûr. Il faut apprendre à gérer cela. Il faut apprendre à le gérer tout comme un enfant apprend à faire de la bicyclette à force d'essais et d'erreurs. C'est un fonctionnement totalement différent que nous devons apprendre à gérer. C'est possible avec l'être humain. Nous sommes le phénomène scalaire le plus merveilleux du monde qui ait jamais été imaginé à l'intérieur d'un corps. Nous possédons déjà les outils les plus merveilleux qui aient jamais existé. Malheureusement, la puissance de ce système est dans l'inconscient. Nous n'en sommes pas conscients. J'hésite même à dire tout ce que nous pourrions faire si nous contrôlions activement notre système. Tout ce que nous appelons miracle, les gens qui passent à travers les murs, entre autres, est susceptible d'être fait. Sommes-nous capables de contrôler ce genre de choses? Parce que nous pourrions alors contrôler l'énergie cosmique qui est sans limite. Nous ne sommes pas encore prêts, dans l'état actuel des choses, à envisager que l'homme ou l'être humain peut devenir beaucoup plus puissant tout en respectant autrui. Nous ne sommes pas prêts à affronter le fait que nous devons laisser l'intelligence regarder directement dans notre esprit. De nombreuses affaires telles que nous les traitons aujourd'hui vont en pâtir quand une bonne carte, disons, essaiera de battre une autre bonne carte. Au jeu comme en affaires. Donc tout ce qui est source de conflit dans notre société devrait être réglé par des moyens différents parce que les gens seront au courant de tout. Ils connaîtront nos véritables mobiles. C'est une manière de faire différente de ce que l'être humain a connu jusqu'ici. Le processus par lequel nous acquérons la capacité d'utiliser cette partie de nous-mêmes, que nous avons toujours eue, ce n'est ni mystérieux ni mystique. Il y a un véritable processus physique, un véritable mécanisme en nous. C'est comme si tout le monde avait maintenant la capacité d'être un funambule sur un fil tendu. Normalement, c'est impossible. Si on essaie, on tombe et on se blesse. Mais avec de l'entraînement, en répétant ses efforts, on peut apprendre à le faire. Tout le monde en a la capacité. Et c'est la même chose ici. Nous avons certaines capacités, tout le monde en a, qui sont innées, mais pas développées. Et elles peuvent l'être. Et nous allons devoir gérer un tout nouveau et immense domaine du fonctionnement humain auquel nous n'avons jamais été confrontés. C'est un autre aspect de l'avenir. Je crois que l'essentiel de mon travail et la notion de nature vivante. Nous vivons dans un monde vivant. La vie humaine fait partie d'un système de vie plus vaste. Et que la manière de connaître ce monde vivant plus vaste
peut venir directement à nous au travers de notre expérience de la vie, autant qu'au travers de théories intellectuelles. Cela veut dire comprendre et réaliser une fois encore que le monde est vivant d'une manière que j'essaie de détailler dans mon livre « Renaissance de la nature ». Cette manière de penser nous permet d'apprécier beaucoup plus notre propre expérience de vie et nous permet aussi de reconnaître que nous savons beaucoup de choses par pure intuition. Et cette connaissance est une connaissance valable et importante, pas une chose simplement subjective qui doit être écartée en termes de compréhension plus extérieure et plus intellectuelle. Il faut arriver à considérer que notre intellect et nos intuitions sont des expériences directes et une façon complémentaire de connaître la vie, plutôt que de dire que l'intuition n'est que subjective alors que l'intellect est supérieur et totalement objectif. La réponse à qu'est-ce que la vie, quel est son but, est pour moi vraiment très simple. Le but de notre vie est l'évolution de notre âme. Nous voyons notre âme comme quelque chose d'individuel. Ce n'est pas le cas. C'est une partie de l'étincelle universelle de la vie, une énergie vitale divine. Et tandis que nous venons au monde, nous sommes là pour élargir l'univers à travers notre expérience. Chacune de nos expériences ouvre les réalités probables qui sont disponibles dans l'univers. Sans évolution, tout s'arrêterait. Tout disparaîtrait. Toute l'énergie est sans cesse en expansion, se déplaçant au rythme du pouls universel. Et ce pouls englobe la vie, la mort, la vie, la mort, la contraction, l'expansion, la lumière. The evolvement of our race took the same course as yours many eons before the dawn of your civilization. We suffered feudal wars and destructive destabilization, but evolved through this as you will. We are by no means superior to you, only older in wisdom, because the evolution of our kind preceded yours. We are here with the hand of brotherly friendship as teachers, like you will be as your evolvement grows. Each one of your kind has the ability to grow in understanding and raise your cosmic consciousness. The answer lies within the fabric of us all. We hold great love for you. I know that your direction is now turning towards the path of cosmic understanding. We will give all the love to help you in accordance with cosmic law and the spirit of brotherly affection. But we can only advise. The future of your race must be determined by your own free will. Our view of you shows great hope and expectation, and we await with anticipation the day when you will aspire to the Federation of Cosmic Brotherhood. Le seul fait de vivre nous donne à chacun ce champ électromagnétique d'énergie vitale que nous irradions vers l'extérieur. La planète elle-même a un champ vital. La Terre elle-même, le ciel, ont une énergie vibrante qui est constituée des particules de notre conscience. La conscience n'est pas un concept psychique. C'est une énergie qui suit les lois cosmiques du mouvement et de la transmutation. Si nous prenions conscience de ces auras, de notre propre aura, et que nous les épurions volontairement, que nous les guérissions, changeant grâce à elle toute forme de pensée négative, et qu'ensuite mon aura touche votre aura, nous créerions une nouvelle possibilité de relation. Et nos auras réunies
créerait de nouvelles relations, de sorte que l'aura de la planète en serait purifiée. C'est pourquoi les indigènes du monde entier parlent toujours de l'âge de l'existence et comment à cet âge nous aurons atteint peut-être les limites de la pénombre. Nous devons prendre conscience des pulsations de ces lois cosmiques pour pouvoir purifier l'énergie planétaire. Rupert Sheldrake. Je crois que le plus difficile, c'est le changement collectif des attitudes que nous devons opérer. Qu'un individu à Londres décide qu'il ne se rendra pas à son travail avec sa voiture, mais prendra les transports en commun, ne résoudra pas le problème global mondial ni l'effet de serre. Pas plus que l'individu qui décidera de manger de la nourriture organique plutôt que celle à base d'engrais chimiques. Ce qu'il faut, c'est un changement collectif, et cela doit impliquer une dimension politique. Si cela implique une dimension politique, cela doit impliquer aussi des dimensions sociales, culturelles et religieuses, parce qu'à moins d'ajouter un aspect spirituel à tout ça, à ce changement, je ne crois pas qu'il sera possible de le soutenir ni de motiver suffisamment les gens. Dans l'un de ses livres, Rupert Sheldrake écrit: nous devrons répondre à notre crise écologique actuelle de façon pratique, en faisant les changements sociaux, politiques, économiques et technologiques appropriés. Nous devons considérer l'attitude qui mène à une telle dévastation de la Terre et trouver une manière de vivre plus harmonieuse. Ceux d'entre nous qui croient en la puissance de la prière doivent prier pour recevoir pardon et conseil. Si un ordre humain plus juste et plus sage voit le jour, si une nouvelle harmonie se développe entre l'humanité et le monde vivant, cela semblerait en effet une réponse à ces prières. Dès que nous saurons penser au monde comme à une entité vivante, nous admettrons qu'une part de nous l'avait toujours su. C'est comme sortir de l'hiver dans un printemps retrouvé. Nous pouvons commencer à reconnecter notre vie mentale à nos propres expériences de la nature, directes et intuitives, et développer ainsi une compréhension de la nature humaine plus riche, basée sur les traditions et la mémoire collective, liée à la terre et au ciel, reliée à toutes les formes de vie, et être consciemment ouvert à la puissance créative exprimée dans toute évolution. Nous renaissons dans un monde vivant. La seule façon d'être optimiste, c'est de croire que ce sont les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle humanité qui deviendra beaucoup plus consciente de son unité et de la façon dont ce qui se passe dans une partie de la planète affecte les autres parties de la planète. Elle aura conscience que l'on peut résoudre les problèmes par le dialogue plutôt que par les armes. C'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que je me sens optimiste. Et il est possible que si ce n'était pas pour un tel défi, l'humanité ne serait pas arrivée à ce degré de compréhension qui nous est venu à travers cette crise. Je me sens optimiste sur ce point. Et je le suis parce que j'ai trouvé une telle beauté chez les gens. Je suis tellement ému parfois par la beauté que je sens chez eux. Je crois que le seul espoir est la beauté qui se réalisera sur cette planète. Philosophiquement parlant, si je pose la question de savoir ce qu'est la loi de la nature, philosophiquement donc, je pense à l'intention de l'homme qui parle de la loi de la nature pour la première fois. Ce que l'être humain essaie de dire quand il dit c'est la loi de la nature, il essaie désespérément de dire que la réalité est maintenant devenue immobile. Et la base de ça, c'est un monde statique, devenu très mécanique. C'est une tentative pour retourner à la notion d'univers mécanique qui a depuis longtemps disparu. Mais vous voyez, si vous avez un univers qui ne comporte pas ce genre de loi, et dont vous pourrez modifier les lois, même les arranger en utilisant par exemple la méthodologie de Whittaker,
La réalité n'est alors plus immobile, elle devient malléable, elle devient variable. Vous pouvez la modifier. Et c'est bien là la plus grande insécurité dans le monde. Il n'y a plus de sécurité. Où est ma forteresse? Où sont les choses sur lesquelles je peux compter? Où sont mes couvertures si protectrices? Elles se sont toutes envolées. L'effet produit quand l'être humain est confronté à ça, c'est que cela le force à se poser des questions. Qu'est-ce que cela signifie d'être vivant? Qu'est-ce que cela signifie en fait d'être immergé dans une existence physique? Qu'entendons-nous d'abord par existence physique? Ne sommes-nous vraiment que des machines? Ne sommes-nous que ça? Qu'est-ce que les savants orthodoxes conventionnels essaient de nous dire? Et la réponse que nous trouvons, c'est que ce n'est pas ça. Nous sommes des esprits. Nous sommes des âmes. Nous sommes des formes et des esprits vivants. Le fait que nous habitions un corps, nous avons en lui un magnifique robot à notre service. Très utile. Ne doit pas nous faire croire que nous sommes ce corps, c'est faux. Cela devient bien sûr un principe religieux. Si vous êtes enclin à la religion, et c'est mon cas, je ne suis pas catégoriquement enclin, mais je suis croyant. Si vous êtes enclin à la religion et que vous croyez qu'il y a un créateur quelconque qui a créé tout cet ordre magnifique et qu'il n'a pas simplement surgi un jour du néant, si vous croyez en ça ou si vous l'acceptez comme une thèse, ce que cela vous dit, c'est qu'il y a une réalité merveilleuse dans laquelle nous vivons. Et que nous nous considérions prêts ou non, nous détenons maintenant les outils pour transformer la réalité elle-même avec tout ce que cela implique. Nous devons apprendre à être plus mûrs, plus responsables, au lieu de nous immerger dans la guerre et de nous tuer les uns les autres, de nous assommer. C'est une réalité beaucoup plus responsable et beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas simplement gagner ou perdre de l'argent, des avantages, du pouvoir ou de l'influence. C'est beaucoup plus compliqué et complexe que ça, plus riche et plus humain aussi. Si nous réussissons à projeter les lois de l'énergie de manière à ce que, par exemple, nos formes de pensée puissent être admises comme des ondulations qui se déplacent et influent sur l'univers, nous pourrons alors réaliser que nous ne faisons pas simplement de la figuration, mais que nous pouvons, sans crainte, étendre notre conscience pour atteindre le but de la vie. Donc, si vous choisissez de chercher l'unité, de soutenir le bien, de vous dire « Je suis heureux de vivre tous les jours », votre forme de pensée, vos sentiments, libéreront alors une énergie dans le monde qui l'améliorera. Vous pouvez l'essayer. Quand vous rentrez chez vous le soir, passez la porte avec cette pensée, je suis heureux d'être ici. Et vous découvrirez que les autres membres de la famille vont se sentir heureux, qu'ils seront contents de vous voir, qu'il régnera alors une énergie immense, que tout le monde va irradier le bonheur d'être vivant. C'est aussi simple que cela. Une réflexion faite à une de vos connaissances changera sa façon de voir la réalité. Si nous regardons le monde ainsi, nous saurons qu'il y a un espoir illimité, que c'est nous qui créons l'univers, qui créons notre qualité de vie. La décision ne revient qu'à vous seul. Un vieux dicton dit, quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. En regardant nos vies, nous constatons tout cela. Cela se passe vraiment. Cela a lieu. Tout ce que vous vivez est un cadeau. Cherchez le cadeau, et il vous sera facile de sentir que la qualité de votre vie est riche, est pleine, qu'elle ne prend pas sa source dans le monde extérieur. Pas du tout. Elle prend sa source en vous, et seulement en vous. Vous n'êtes pas seulement la vedette de votre propre film,
mais vraiment le réalisateur de ce film. L'univers change à travers votre expression, à travers la vie que vous menez. L'espoir n'est pas seulement pour l'avenir. Ce n'est pas un concept. C'est simplement une énergie que nous pouvons commander du plus profond de nous-mêmes en sélectionnant nos pensées et l'expression que nous dégageons. La vie n'est pas une tragédie. La vie n'est pas un accident. Vous et moi sommes ici et avons le droit d'être ici avec élégance et bonheur. The children of destiny and the light of creation traveling your cosmic journey on a chariot of rainbows. Your spirit flies with the creatures of the air and sings a song of harmony with all things. You are the light of love and understanding, made with the lifeblood of immortality from the creator of time itself. Go forward in love with the knowledge that the truth of your future is already written in the halls of eternity and your destiny is assured. Follow the teachers of wisdom and truth as you go forward with the understanding that you are the seed of the Creator. The Creator is you. Universe, feeling the fire.